Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une petite heure, et aujourd'hui, eh bien, je suis accompagné de Romain Gauthier. Bonjour Romain. Salut Franck. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube Adobe France et sur behance.net/live/fr. Bienvenue pour ce deuxième jour de En attendant Motion plus Design. Vous avez pu profiter du petit teaser de Motion plus Design sans le son, si j'ai bien compris, si je lis bien. Je sais qu'on a des habitués ici qui sont déjà au taquet du côté Behance. Je sais que quelques-uns d'entre vous vont arriver du côté YouTube. On vous aime bien, rassurez-vous. Mais si vous cliquez sur le petit lien que j'ai mis pour participer à la conversation, eh bien vous serez avec nous. Avec nous pour 1 heure et demie. Avec Romain pour parler de motion, pour parler d'images, pour parler d'images animées, de plein de petites choses. Romain, si tu devais te définir en deux, trois mots, comme ça, et sans images dans un premier temps, comment tu te définirais? Du coup, je dirais que je suis 3D artiste de manière un peu générale et globale. J'ai un background de motion designer, bien sûr, hein, c'est ma formation de base, mais disons que je la délaisse pas, mais que mes activités s'étendent un petit peu au-delà de seulement l'animation. Donc, par manque de meilleure définition, je me définis comme ça. Voilà. Très bien, ça me semble être une bonne manière d'aborder les choses. Je vais faire mes petits sondages du début dans le chat. Est-ce que vous connaissez, alors qui êtes-vous, les gens dans le chat? Dites-moi si vous êtes motion, si vous êtes illustrateur ou autre. Et comme on va parler pas forcément tout le temps de technique, mais un petit peu quand même. Si vous avez, dites-moi si vous êtes utilisateur, comme on l'a fait hier avec Maël, d'Illustrator, d'After Effects, de Photoshop, etc. Ou comme Romain aujourd'hui, de Substance, parce que ça va être aussi un petit sujet. On va parler de texture aujourd'hui, si je ne m'abuse. Oui. Tout à fait. Autre petit truc, ben peut-être qu'on va faire un tour de ton portfolio, que tu vas nous présenter un peu ton taf, et dans quelques Carrément. minutes, je vous emmènerai pour essayer de vous faire gagner des cadeaux, parce qu'on est un peu sympa. Allez, je partage ton écran. Raconte-nous un petit peu qui tu es, mais cette fois-ci en images. Alors, bienvenue sur la page d'accueil de mon merveilleux site web codé à la mano, à Eh l'ancienne. ben. Je vous montre ça parce que, alors moi, j'ai pas de showroom, en fait. Ouais. Je bosse beaucoup, mon travail, celui que je montre en tout cas, c'est principalement mon travail personnel, très peu de commandes de clients. Parce que tout simplement, c'est le travail qui me représente le mieux et ça, c'est le truc qui est le plus important pour moi. En gros, moi, je travaille beaucoup sur, on va dire, l'exploration du monde du digital et du physique. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, comme vous pouvez le voir un petit peu sur ce genre d'image, j'aime bien mélanger. Donc, c'est des VFX, hein. Techniquement, si on devait un petit peu décrire ça, j'aime bien mélanger les deux aspects de ces deux mondes. Je trouve qu'il y a des choses super intéressantes, surtout à l'heure d'aujourd'hui où on a de plus en plus de discussions sur le digital, sur notre place, nous, dans le digital, etc. Donc, globalement, voilà mon boulot. Et je vous ramène directement sur mon Instagram parce que j'ai codé la première page, mais après la suite, Et j'ai tu t'es entendu arrêté après. là. Ah bah, faut dire que c'est voilà, c'est les sites internet, c'est moi, ça me tend un petit peu. C'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai vraiment la flemme. Donc, je vous ramène sur mon Insta parce que là au moins c'est des gens qui le font pour moi et c'est plus simple. Du coup, voilà. Donc, typiquement, le genre de travail dont je parle, ça va être ce genre de choses-là. Je vais faire beaucoup de. En fait, en ce moment, je me focus pas mal sur un peu l'exploration de la mode digitale, qui du coup est un peu une sous-catégorie de la 3D, quoi, une branche
qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps. Et en fait, moi, c'est un truc qui me fait assez kiffer. J'aime bien me dire que je peux venir habiller des performeurs ou des acteurs avec du digital et apporter un petit peu la poésie de la 3D et ce truc de dire en fait on n'est plus contraint à des limites physiques ou ce genre de choses et pourquoi il n'y aurait pas de gravité, pourquoi ce genre de choses. Donc voilà, après globalement c'est à peu près ce que je fais. Et puis voilà, c'est une exploration vraiment très personnelle, mon Instagram à ce niveau-là, de un petit peu de mon envie du jour, quoi. Je suis très j'applique ça vraiment sur des idées, généralement un process ou une idée technique va m'inspirer quelque chose de créatif, d'artistique. Je vais faire des espèces de va-et-vient comme ça dans la pratique, quoi. Donc voilà, globalement un petit peu Et ce que je fais. est-ce qu'on est en train de regarder, comme tu dis, c'est du VFX, c'est-à-dire qu'il y a des est-ce qu'il y a des objets physiques qui découlent de ça? Est-ce que c'est un Parce que tu disais que t'as démarré en disant que t'avais pas de showroom. De souris, ouais. Alors j'ai compris showroom, je sais pas Ah, j'ai pourquoi. dit showroom. Je pense que tu as dit showroom, et du J'ai coup, je me peut-être suis bugué. dit, c'est vrai que du coup, tu fabriques des objets virtuels uniquement. Ouais, exactement. Exactement. Et il reste, pour l'instant, il reste virtuel. En soi, j'explore pas mal en ce moment du côté des impressions 3D, ce genre de choses, parce que c'est quand même assez ouf de se dire que. Non, moi, j'ai pas de compétences pour créer des objets en vrai. Je sais pas fondre du métal, ce genre de choses. Mais en fait, rien qu'avec l'impression 3D, on peut maintenant ressortir des images. D'ailleurs, là, typiquement, ce shot que vous voyez sur mon écran, je l'ai ressorti. J'en ai fait une version physique. Tac, qui a été imprimé en 3D, qu'on peut voir là, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais typiquement, voilà, ça va être des premières explorations autour de ça, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup continuer à développer par la suite. Après, ça prend énormément de temps. Et déjà que l'exploration digitale prend du temps, alors il faut, voilà, faut manager entre tout ça et les clients. C'est super parce que du coup ça fait vraiment une passerelle entre les deux univers, ça permet vraiment d'avoir du réel et du virtuel. Toi, tu sais quoi, c'est Exactement. du on le compte comme quoi, de la réalité augmentée, on le compte Bah, parce que théoriquement, réalité augmentée, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose en temps réel, quoi. Moi, principalement, c'est pas ça que je fais, même si là, par exemple, je vous montre un outfit que j'avais créé, du coup, c'était pour ce plan-là. Donc, évidemment, là, il n'y a rien de temps réel, hein, c'est tout calculé et rendu sur Octane, je crois, à l'époque. Et j'avais fait un partenariat avec DressX, qui est une marque qui fait du retail de vêtements, mais digitaux. Parce que pourquoi pas. Et en fait, ils avaient du coup commercialisé ce modèle-là. Et du coup, ça, par le coup, c'est du temps réel et c'est basé sur les technologies de Snapchat. On voit que les rendus sont bien moins clean, le tracking moins clean, etc. Mais c'est un petit peu à la frontière. Disons que je rêverais qu'on puisse faire des rendus en temps réel de ce que je fais actuellement avec la qualité que je peux mettre, mais pour l'instant, ça reste encore un petit peu expérimental. Je prie un petit peu pour que Unreal Engine et tout ça, voilà, Ouais, qu'il y ait des passerelles. puisse débarquer sur des machines qui n'ont pas forcément une énorme carte graphique comme vos téléphones portables. Exactement. Ceci dit, les joueurs de Pokémon Go se sont baladés avec des grosses batteries. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas dans son sac à main une 1080 qui traîne. C'est peut-être On l'avenir, on n'en sait rien, on verra. se dirige vers un futur, ma foi, très incertain et très bizarre. Tout à fait. Je pense que tu participes du bizarre parce qu'on n'est pas sur de la mode classique comme on Ouais. voit sur les podiums des défilés. On est vraiment sur l'extravagant. Ça devient d'où cet univers? En fait, c'est
Donc, comme je disais, de formation, moi, je suis vraiment motion. J'ai fait les Gobelins il y a 8 ans, 9 ans, je ne sais plus, 8 ans, je crois. Et je me suis mis en freelance de suite après, en fait. À partir de là, j'ai bossé beaucoup dans des studios à Paris, dans des agences, avec des clients en direct, etc. Et je faisais beaucoup de 2D, 3D, j'étais un peu passe-partout, quoi, on va dire. Pas vraiment spécialisé, j'avais pas vraiment un style très identifiable ou très précis. Du coup, la réalité du métier en tant que free veut que, en fait, voilà, on te met sur une time prod, on te met dessus, et puis tu fais ta tambouille, quoi. Et ça commence un peu à me frustrer, parce que j'avais pas vraiment l'impression de me retrouver impliqué dans ce que je créais. Il fallait avoir un petit peu de, voilà, il fallait avoir un petit peu de j'avais envie d'avoir un peu un input créatif sur ce que je faisais. Et puis à côté, je faisais des projets perso, et j'ai fait plein de projets perso en 8 ans, comme tu peux imaginer, sur mon temps libre. Donc il y avait du film d'animation 2D en collaboration avec des animateurs tradis, ce genre de choses. Mais en Ah, fait, c'est cool. C'est des trucs que tu as gardés sur l'Instagram ou Alors, qui ont sombré loin, loin, loin et que tu j'ai n'assumes un peu purgé l'Instagram, mais par plus? contre, je peux peut-être te montrer, bah, une collab avec mon grand ami, Benjamin Geffroy. Ici, boum boum, il est là. C'est un film qu'on a fait parce qu'on jouait. À l'époque, on jouait beaucoup à la bataille corse. Alors c'est quoi la bataille corse? La bataille corse, Le jeu de cartes, hein. c'est le jeu avec deux cartes où tu sais, il faut taper avant ton adversaire sur le tas, quoi. Et donc, typiquement, voilà, ça c'était le genre de création que je faisais il y a quelques années, hein. Donc, on est quand même sur un 360, un 180, je ne sais pas. 360, tu serais revenu au même point, effectivement. Donc là, Ouais. ouais, on est sur de la couleur à plat, Ouais. hyper flat et tout. C'est un. Ouais, plus rien à voir, quoi. Non, non, ça n'a plus rien à voir. Donc, typiquement, voilà, c'était un peu des prods comme ça. Alors, évidemment, j'ai pas le talent de Benjamin. C'est lui qui anime toutes les scènes les plus impressionnantes du court-métrage. Et moi, je faisais les scènes un peu moins épiques, parce que, en fait, je me suis aussi rendu compte que au bout de ces. Je crois que on a dû passer un an sur ce truc, Ah ouais. parce que c'est quand même un 3 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas dessiner, quoi. Mais c'est bien, il faut faire des erreurs comme ça pour se rendre compte des choses. Des fois, ça prend un peu de temps, mais pourquoi pas, quoi. C'est ça. Ouais, non, faut le. Mais c'est important de. Ouais, c'est important de tester, je pense, dans ces Ouais. cas-là. Clairement. C'est Et puis, à super. côté de ça, voilà, c'était très dans les créations d'avant aussi. Ça, c'était ma première une de mes premières prods sorties d'école. Ah non, ça, c'est mieux. En fait, pardon. Ça, c'est mon ancien chéri, par exemple. Bon. Donc, ça, c'est Nice. les anciennes créations. Donc, comme vous pouvez voir, c'était vraiment très, 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 très varié en termes de contenu, etc. Le temps de te trouver de te trouver le bon style, de te trouver C'est ça. C'est ça. Et puis, en fait, finalement, c'est plus en découvrant l'univers de la mode et en fait, en allant ailleurs, chercher ailleurs. Que dans le motion ou dans la culture graphique qu'on a en école, que j'ai vraiment plus développé en fait mon intérêt vers ça, quoi, vers ce travail-là, qui du coup là me correspondait beaucoup plus, parce qu'en fait j'apportais quelque chose, c'est-à-dire que je prenais un domaine qui n'était pas investi par la 3D, pas trop investi, on va Pas dire, par le encore, en tout digital. cas. Pas encore, exactement. C'était en 2019. Maintenant, ça arrive comme pas possible, mais à l'époque, quoi. Et en fait, je venais ajouter ma pierre, quoi. Donc, c'est là où c'était intéressant, et c'est là où moi, ça m'a plu, et aussi là où j'allais dire le plus de retours de gens, en fait, finalement. Des gens qui répondent à ton travail, c'est très motivant aussi. Ouais, c'est super important. J'ai une question de Julie qui nous dit, est-ce que tes clients te demandent aussi ce type de projet? Du coup, sur des anciens trucs, de l'ancienne gamme. Est-ce que ça arrive?
Parce que... Est-ce que mes clients me demandent, tu veux dire Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des clients qui te demandent des projets de l'époque? Et dans ce cas-là, est-ce que tu dis, bah non, poliment, tu déclines en mode, regardez, je faisais pas ça tout seul, appelez l'autre. Alors ouais, en vrai, je continue encore parce que, bah, encore une fois, je suis freelance et il y a une réalité du métier qui est certaine, c'est que bah, il faut manger quoi. Donc là, c'est moi ce que je montre et ce que je fais sur mon Insta, c'est quelque chose qui moi me passionne et je pense sincèrement qu'il y a un avenir, une économie pour ça et qu'il y aura des budgets pour ça, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas encore super développé. Alors maintenant, ça commence à prendre et je commence à travailler de plus en plus dans ce domaine-là en tant que designer 3D ou ce genre de prestations. Mais sinon, oui, ça m'arrive encore de reprendre bah, des projets de mon job d'avant. Je mets des gros guillemets, hein. De mon job, Mais de ma vie d'avant. ouais, voilà. Mais ça, oui, ça m'arrive encore. D'accord. Tu vois, c'était une bonne question. Ah non, il nous dit, je parlais plutôt des projets comme aujourd'hui, ce qu'il montre sur Insta maintenant, mais pour des clients. Ah ouais, bah du coup, Pardon. ouais, ça m'arrive et de plus en plus, et ça c'est cool, c'est ce qu'on veut, pas ça pour rien, ça m'arrive, alors après, la plupart du temps, vu que c'est quelque chose d'assez récent finalement, cet intérêt que les gens vis-à-vis de ça, c'est beaucoup de projets dont je peux pas vraiment parler, Ouais, c'est des mais... projets mais en phase de développement et tant que c'est pas arrivé public, ça reste secret Exactement, quand même. exactement. Mais en tout cas, c'est cool parce que voilà, ça permet d'aller voir un petit peu ailleurs que le monde de la. Forcément, le monde de la publicité, ça va plus être dans de l'ordre de la relation avec d'autres artistes, d'autres domaines, de la musique, ce genre de choses. Et du coup, c'est assez passionnant et intéressant comme branche. C'est cool, tu nous montres encore deux trois trucs sur l'Insta. Qu'est-ce qu'on a ou Deux, enfin trois sur trucs l'Insta, sur. j'ai vu que tu étais allé gratter ton Vimeo tout à l'heure. Je Ouais. vais vous partager l'Instagram de Romain, ce serait quand même un peu malin de ma part, puis ça vous permettra de retrouver tout ça. Oui, venez voir. Mais oui, venez voir, venez donc cliquer. On avait ton nom de toute façon en dessous. Après, par exemple, autre travail, je pense que ça, c'était un des trucs les plus aboutis que j'ai fait en termes de process, on va dire. J'avais contacté un acteur, Nicolas Maury, qui j'aimais beaucoup, enfin, j'aime beaucoup, et j'avais proposé de faire une sorte de petit short film autour d'une pièce digitale que je créais, quoi. Et ça, c'était par exemple, bah, c'était une super, super expérience très enrichissante parce que pour le coup, je faisais aussi un peu de la, bah, enfin, je faisais même totalement de la réalisation en live action, quoi. En plus d'avoir à gérer la partie 3D, VFX et conception design de la pièce. Parce que du coup Et sur ça vous étiez t'étais en tête à tête avec l'acteur et il n'y avait personne en plus. ouais, bah en C'est gros, ouf ça. j'avais Jules Fort avec moi qui est mon partenaire de vie, qui m'aidait en fait un petit peu pour la lumière, parce que bah, je pouvais pas tout faire. Et donc évidemment, il a géré ça super bien parce qu'il est photographe de formation. Et donc moi, après ça, ouais, je donnais des indications à Nicolas, je le challengeais en disant, voilà. Là, tu vas avoir un truc sur le visage, imagine, il commence à grossir sur toi, il bouge, et en fait, c'était cool parce que bah, c'est un très bon acteur, donc il donnait plein d'options. Ouais, c'est Et cool ça. après, pour moi, c'était quelque chose de très facile après en post-production de venir sélectionner les bons rushs et de voir ce qui marchait ou pas avec ma pièce digitale, quoi. Carrément. Ouais, mais c'est magique, hein. Ça me plaît beaucoup, ça plaît beaucoup aussi au public. Thomas nous demande, est-ce que tu te définis comme lens creator, du coup? Ah. Bah du coup j'en fais mais alors est-ce que je suis Lens Creator, Spark Creator, TikTok House Creator, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ouais je alors on peut pas voir en plus Ah, sur le sur bureau. ouais bah typiquement j'avais fait une
une lens de ce De ce modèle, projet-là, ouais. de ce modèle, ouais. Ouais, en vrai, ces dernières années, j'ai pas mal bossé avec des prestataires pour le coup, parce que là, il y a un peu plus de demandes à ce niveau-là, sur l'AR, quoi. Après, sur un peu toutes les plateformes, finalement, les softs sont assez similaires, donc c'est que ce soit du côté de Spark ou de Lens, même si Lens est quand même 10 fois plus en avance. Il y a quand même, les outils fonctionnent un peu de la même manière. Et du coup, ouais, je crée des Lens pour moi et pour des clients. J'avais également fait celui-ci, cette Lens-là, qu'on peut voir ici. Voilà, typiquement, là, c'est Le au début de process de cette vidéo, création. c'est le. Là, du coup, on est en mode process de création. Ouais, ça c'est une petite vidéo sur le process de création, mais en fait le au tout début de la vidéo, je porte la couronne que je crée dans le truc, et ça typiquement c'est fait dans. Ah. Et là, c'est ce moment où je perds Romain. Est-ce que je te retrouve? C'est fait dans Spark, je crois. Alors attends, la connexion est en train de sauter bizarrement. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la vidéo qui tourne? Tu m'entends toujours? Ouais, Parce moi que je t'entends. t'es revenu, ton écran est revenu. Et donc tout va bien. Ah Tout mais va votre bien. connexion internet est instable. Ah pardon. Non, non, mais c'est pas grave, écoute, Sinon, qu'est-ce qui se passe? on a repris. Tu me dis quand c'est bon pour toi, tu me dis si Non, c'est bon. ouais. Alors on est reparti. On est reparti et on va repartir sur une petite, ouais, petite question justement par rapport à ça. C'est Fanny Rollo qui nous dit le design des vêtements 3D, du coup, c'est des créas à toi ou est-ce que tu as des designers traditionnels qui te demandent de remodéliser leur création à eux? Non, c'est des créas à moi. Uniquement moi, j'ai encore jamais bossé sur des créas faites par des designers. En fait, ça m'intéresse pas trop dans le sens où le but de ça justement, c'est de montrer mes designs et de montrer ma créativité vis-à-vis de ça. Donc, j'essaye de vraiment partir dans cette optique de tout créer moi, quoi. Carrément. Carrément, carrément. Là, typiquement aussi, je crois qu'ici, voilà, en termes de filtre AR, on dirait que je fais un peu peur sur cette vidéo. On dirait que j'ai envie de tuer quelqu'un, je ne sais pas. Typiquement, là, c'était aussi une couronne que j'avais fait pour Vogue. J'avais participé à la première cover NFT de Vogue. C'était l'année dernière, en septembre dernier. Et ils m'avaient commandé une headpiece, donc un bijou de tête. Et du coup, ça c'était. Ils avaient aussi commandé le filtre AR avec, qui allait avec, quoi. Ah, c'est Donc, cool ça c'était la. ça. Bah, ça c'est la cover. Et ça, c'est un boulot qui prend combien de temps? Parce que je sais que c'est très terre à terre et très. Je crois que pour cette prod-là, j'avais 2 semaines en tout et pour tout. Parce que après, c'est le processus créatif. C'était une grosse collab avec du coup plusieurs designers. Il y avait le vêtement était fait par un designer qui fait aussi de la mode digitale qui s'appelle Tasking Goek, qui est allemand, berlinois. Moi, je m'occupais de la headpiece. L'avatar était fait par Shavon Wang, qui a fait un Motion Plus aussi l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, c'était texturé et shooté par William Staple, qui est un artiste 3D aussi de Copenhague. Non, qu'est-ce que je dis? Oula, Amsterdam. ouais, ok, ouais. Pas Du très coup, loin, ça passe. du coup, c'était une grosse collaboration. Et en fait, les 2 semaines, c'était vraiment le temps de réalisation pour aussi tous se coordonner sur qu'est-ce qui allait le mieux marcher en fonction de la forme des vêtements, puis de la forme de la silhouette globale, etc. Donc, c'est vraiment une expérience très, très, très intéressante Ouais, et pour puis le coup. intense du coup, parce que sur 2 semaines, t'as pas le temps de te retourner, t'as pas le temps de.
Ouais. T'as pas le temps de laisser s'endormir le projet, il faut être au taquet. Exactement. Bah c'est, après, c'était très challengeant, mais ce qui était cool aussi, c'était de voir, enfin, de pouvoir tester. En fait, vu qu'on n'avait pas, évidemment, pas beaucoup de temps, je voulais vraiment essayer de tester plusieurs manières de voir, bah, en fait, à quoi pourraient ressembler les différentes silhouettes en fonction de la forme des bijoux que j'allais créer. Et donc, typiquement, bah, j'ai utilisé un soft qui permet en VR, quoi, qui permet de modéliser rapidement bah, les formes. Et en fait, ça me permettait de venir comme un dessin, mais en 3D, de venir vraiment bah, définir différentes shapes et qu'on se mette assez rapidement d'accord sur en fait qu'est-ce qu'on voulait en termes de finalité et du coup finir bah, sur ce produit-là, quoi. Parce que du coup, c'est beaucoup de choses qui sont très très organiques, je dirais, Ouais. très 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 vivantes, et ça change, enfin ça change. Pour beaucoup de designers qui ont l'habitude de faire de la 3D mécanique, de la 3D à base de typos, de rectangles, de cubes, etc., Ouais. c'est tout un autre univers. Le fait de gérer justement d'abord une forme en opaque et puis après de lui appliquer des textures, c'est un truc sur lequel tu arrives à te retrouver toi. C'est l'expérience qui fait que ça marche bien et que. Je sais pas trop, je pense que c'est peut-être certainement un peu d'expérience, parce qu'au final, bon, bah, 8 ans à traîner dans la 3D, je crois que commence à savoir comment ça fonctionne au bout d'un moment, quoi. Même parfois juste des nouvelles technologies aussi, des nouveautés que tu as envie de tester, des trucs qui sont pas accessibles. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, 5 6 ans, j'avais fait un projet perso qui s'appelait Itération, qui Okay. était un espèce de, je sais pas, film abstrait en 3D. Et en fait, je voulais faire, c'était que des cubes. Et je voulais faire des textures en SSS dessus. Donc, pour ceux qui savent pas, SSS, c'est en gros, c'est une matière 3D, on va dire, où en gros, la lumière passe à travers la matière et du Et coup, se diffuse dans la matière. voilà, exactement, créer une diffusion. On peut imaginer la cire, par exemple. La Ouais. cire, typiquement, c'est ça, ou même la peau, d'ailleurs, Ouais. la peau humaine. Hein. Le surface Exactement. scattering, c'est le fait que votre Exactement. matière, en fait, C'est votre ça. lumière va se diffuser. Ah bah voilà. Mais oui, tout à fait. Exemple pratique, c'est la diffusion bah, à travers une matière semi-transparente. On Et m'a du coup, bah, arrêté de typiquement, montrer des ça, à flammes. l'époque, en 3D, c'était un enfer à gérer, à rendre. J'avais fait ça sur. J'ai rendu sur Vray, je crois. D'accord. C'était quelque chose d'ingérable. Et en fait, maintenant, bah, c'est avec un moteur récent, Octane ou Redshift, c'est quelque chose qui se gère très très bien et qui peut se contrôler très bien Ouais, puis et assez qui gère en rapidement. temps réel en plus, c'est surtout ça, hein, Ben ouais. ou suffisamment en temps réel selon la carte sur laquelle tu Exactement. bosses. Exactement. Joël qui me disait, je suis très curieux de voir à la fois ton process créatif et technique. Lionel qui nous dit, oh, du substance, ça m'intéresse. Ça tombe bien. Et aussi, petit complément de Joël qui dit, du coup, donc pour confirmer, hein, pour Vogue, vous avez produit une image et un filtre, c'est ça? On a produit une image, un film NFT et on a produit, pardon, je mens. On a produit trois images, une vidéo et un filtre. Ouais, ça fait Voilà. un, c'est, ça fait, c'est cool de pouvoir décliner aussi le concept, c'est cool de pouvoir profiter du fait qu'on soit en 3D. Il y a Wellnox qui nous dit en NFT ça pourrait se vendre très cher. Est-ce que c'est Je crois qu'elle des s'est vendue très cher. Je ne sais plus exactement quel était le prix, c'était pas fourni avec l'abonnement à Vogue. mais. Tenez, c'est cadeau. Vogue Effectivement. devient le pif gadget du NFT, tu sais, chaque semaine, tu as un nouvel accessoire, une Écoute, nouvelle vue 3D. s'ils ont besoin, ils ont mon numéro. Je tirerai pas non. Très bien. Et Rose qui nous dit, c'est magnifique travail, un gros cœur de la part de David. Il y a plein de monde aussi, c'est vrai que j'ai démarré la session.
On est rentré dans le vif du sujet. J'ai pas dit bonjour ni à Delphine, Thomas, Gérald, Jean, Joël, Maël qui était là hier, que vous pourrez retrouver dans le en dessous de la session. Mais oui, je n'ai pas vu non plus Anne-Sophie, Marion, Mélodie, Fred, Kai, Fabrice, Julie, Fanny. Si Fanny, je lui dis bonjour en live. Et bah vous êtes tous les bienvenus. J'ai une petite question pour les uns les autres. Je suis en train de tester un petit truc. Hier, je vous ai annoncé qu'on était aussi là pour le Motion Plus Design qui aura lieu ce dimanche. Et j'ai appris qu'il n'y avait plus de place en vente pour cet événement. Et je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien venir quand même. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tirage au sort. On va mettre en jeu deux places là maintenant. Je vous laisse retrouver le lien de la session sur YouTube et juste dans le chat, vous mettez bonjour Paris ou coucou Paris ou ce que vous voulez, mais avec Paris. Et quand il y aura Paris dans le texte, quand il y en aura suffisamment dans le chat, je ferai gagner des places pour ceux qui sont là. Et me faites pas le coup de « j'aurais tellement voulu venir, je suis content d'avoir gagné, mais je suis pas là ». Ça, c'est nul. Sinon, il faut qu'on remette les places en jeu, et c'est beaucoup moins drôle et beaucoup plus long. Donc, je vous laisse écrire « Bonjour Paris » dans le chat. Vous me faites un petit... dans le chat de YouTube, pas le chat de Behance. Je sais. Je sais pas faire de tirage au sort sur Behance. Et puis, on se retrouvera dimanche. En attendant, on enchaîne avec toi. Qu'est-ce que tu nous montres? Est-ce que tu nous montres du process? Est-ce que tu nous montres comment tu fabriques tout ça? Qu'est-ce que tu veux... dans quel ordre tu veux fonctionner? Bonne question. Ah, on t'a perdu en plus. C'était une très bonne question. Une trop bonne question, sans doute. Et je vois que vous êtes quelques-uns à vouloir venir sur le... Bah, comme vous voulez, en soi. Ouais, on t'a perdu, mais on t'a retrouvé. Il a dû te remettre en mode connexion instable, mais écoute... Ouais, exactement. Voilà. Pourtant, je suis branché en Ethernet, mais bon, donc je merde, que voulez-vous. Il y a des jours comme ça. Mais Zoom bouffe beaucoup, beaucoup de ressources dans les machines, donc c'est normal. C'est le nerf de la guerre. Un jour, j'aurai une solution encore meilleure, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bah, en tout cas, pour répondre à ta question, peut-être que je peux montrer un petit peu de process. Ouais. Je vais partir d'une image que j'ai faite, qui est celle-ci. Okay. Qui est une de mes premières expérimentations dans le domaine de la mode digitale en 3D, quoi. Mm-hmm. Alors, ça, à l'époque, je bossais sur Octane, donc ça a un peu évolué, donc j'ai switché sur Redshift. Okay. Depuis une petite année. Et du coup, en termes de rendu, etc., je pense qu'on n'aura pas la même chose puisque j'ai juste rouvert mes fichiers en retapant vite fait. Mmh. En tout cas, pour parler un peu du process, bah, en fait, c'est assez simple. Il y a plein de petites étapes. Hein. Mais dans l'idée, moi, je commence généralement à bosser sur Marvelous. À part, je vais évidemment faire un sketch et... Bien sûr. Commencer à réfléchir en termes de 3D, de forme, etc. Que ce soit, comme vous avez vu, en VR dans les vidéos de mon Insta ou même papier-crayon, hein, la bonne vieille méthode. Et, bonne vieille méthode, mais très efficace pour l'idéation, justement, pour ce moment où tu cherches rapidement. Très clairement. Je vais être pas mal inspiré, généralement en termes de mode, je vais être pas mal inspiré par des créateurs du style de je voyage à travers mes références, un petit peu des créateurs qui sont un petit peu extravagants, parce que moi j'aime bien les Thierry Mugler, Iris Van Herpen, Alexander McQueen, tous ces amazing artistes, quoi. Mm-hmm. Qui font ça en vrai, donc ça c'est encore plus ouf, moi ça me sidère de me dire que ce sont des choses qui existent pour de vrai quand même, c'est clair. Donc typiquement, voilà, c'est en termes d'inspiration, je vais aller chercher un peu dans tout ça, parce que il y a des formes incroyables, il y a quand même une manière de réinventer le corps humain à chaque vêtement, alors que c'est la chose la plus commune que l'on voit tous les jours. C'est quand même moi ça me sidère à ce niveau-là. Et puis après, il y a les photographes, évidemment.
Tim Walker ici, qui a un univers un petit peu surréaliste, que moi j'adore. Il y a des gens beaucoup plus loufoques comme David LaChapelle qui du coup va venir créer voilà, ces espèces de scènes quasiment religieuses quoi, mais avec un twist ultra moderne. Et puis après il y a Nick Knight qui est mon gourou absolu de la vie, qui est un photographe de mode pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui est un pionnier dans l'exploration justement de la photographie et du digital, puisque ça a été un des premiers photographes à vraiment utiliser l'outil digital comme élément central de son œuvre, quoi. Et on lui doit beaucoup de clichés absolument superbes que vous avez dû voir dans les magazines, sur les covers, ce genre de choses. Et puis après, il y a mon univers bien plus nerd geek que j'adore aussi, hein, qui est plus de l'ordre de la science-fiction et qui m'inspire aussi beaucoup parce que voilà, il y a des choses super organiques comme les illustrations de Giger qui, moi, me sidèrent beaucoup et qui m'inspirent, je pense, à chaque fois que je crée quelque chose, je pense un petit peu à ça. Et puis voilà, ces rêves comme Akira, qui a aussi sa petite dose d'organique et de folie que j'adore. Donc, bref, c'est un petit peu globalement, si je devais faire un vision board de à quoi ça ressemble mes inspi, je dirais que c'est quelque chose un petit peu comme ça. Et qu'à partir de là, je vais commencer à dessiner et essayer d'imaginer des formes, quoi. Et donc, pour revenir à cette histoire de pantalon, je vous montre un petit aperçu de Marvelous. Alors, on ne va pas dessiner en live parce que bah, ça prend du temps, etc. Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Marvelous, c'est un outil de création 3D qui permet de designer des vêtements en fait, digitaux. C'était vachement utilisé par les gens du jeu vidéo à l'époque. Enfin, au début, et puis maintenant ça commence à se diversifier énormément, même des gens de la mode l'utilisent. Ouais, on le voit dans la mode, on l'a vu dans le cinéma, c'est que quand ils ont fait certains des Love, Death and Robots, Ouais. il y avait certaines scènes où tu avais beaucoup de vêtements, de drapés ou autres qui étaient complètement fabriqués dedans. Exactement. Exactement. D'ailleurs, ça se voyait, je pense que c'était une petite révolution à part entière, puisque c'était une des premières fois où on voyait de la simulation, enfin pas une des premières fois, mais de la simulation close aussi vénère. Et ce qui est cool, c'est que voilà, tout est en temps réel, donc en fait, on peut vraiment venir ajuster le vêtement sur place, etc. Et donc ça, c'est ma vue de droite. Et en fait, ma vue de gauche ici, c'est la version plate de ce que je fais. Donc en couture, on appelle ça un patron. Et en fait, bah, voilà, chaque pièce correspond à une partie de mon pantalon. Donc, comme vous pouvez voir, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc, une fois que j'ai trouvé ma forme, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais travailler les UV pour ramener tout ça dans substance pour texturer. Parce qu'en gros, là, temporairement, enfin, j'avais mis une texture de cuir sur le pantalon directement depuis Marvelous. Mais après, quand on veut venir rentrer un petit peu plus dans les détails, bah, c'est cool d'avoir une substance qui permet de faire ça. C'est ça, ouais. Et du coup, bah, ce qui est cool, c'est que dans Marvelous, les UV, c'est ultra simple, vu qu'en fait, on reprend la forme du patron qu'on a designé. Bah en fait, on peut organiser nos planches d'UV comme ceci, quoi. J'ai juste à venir réorganiser tout ça. Et quand je vais faire mon export FBX, je vais avoir des UV ultra, ultra, ultra clean et totalement Ultra, utilisables. ultra clean. Et alors est-ce que tout le monde ici avec nous est familier du concept d'UV? Donc tu l'as un peu expliqué, le fameux patron qu'on avait en mode où on faisait de la coupe à plat et après on l'appliquait sur un modèle ou sur l'humain qui allait porter le vêtement. Finalement, c'est exactement le même concept sur la 3D, sauf que sur la 3D, on a le droit de faire n'importe quoi si on veut.
Mais si on fait pas n'importe quoi, on se facilite la vie, on facilite aussi des trucs tout bêtes comme la continuité du mouvement, enfin du mouvement, du tissu, du dessin, par exemple autour du cylindre de la jambe. Et c'est un peu ce que tu pourrais fabriquer là-dedans. Si jamais vous êtes tenté, on a fait une super séance avec Olivier Huard il y a 2 semaines autour du passage entre Dimension Stager et Illustrator. Ça peut vous intéresser. Donc, je vais vous remettre le petit lien de cette session parce que c'était cool. Merci pour la patience pendant mon aparté. J'ai pas encore eu l'occasion de tester Stager, mais je serais bien curieux de voir. C'est cool, Stager. Alors du coup, bah oui, alors du coup, on a ces superbes objets qui sont tout prêts, tout frais, quoi, qu'on exporte depuis Marvelous. Typiquement, hop, pour les mots Adobe Room, ici, tac. Je le fais là, comme ça, en fait, il va venir nous donner immédiatement la possibilité de choper les UV ici, tac, de définir si on a travaillé ces textures dans Marvelous, on peut les exporter aussi de là. Moi, pour le moment, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, donc j'ai décoché toutes ces cases de texturing, puisqu'on va faire ça en substance. Et après, on clique sur OK et on a notre export tout prêt pour Marvelous. Et donc après, ben, il n'y a plus qu'à importer tout ça dans Marvelous. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est peut-être, enfin, c'est juste faire un espèce de petit breakdown de. Là, j'ai travaillé sur une texture de cuir, en fait, autour de ce pantalon. Donc, c'est très basique et très simple, mais globalement, je trouve ça intéressant parce que y a un truc que gère très, très bien Substance. C'est. Alors, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas si on dit UDIM ou UDIM. Alors j'ai entendu Udim dans les dernières sessions, on va rester sur ça, après les spécialistes nous contrediront avec grand plaisir. C'est comme GIF et GIF, on sait pas vraiment finalement. Du coup, en fait, donc dans Marvelous, j'ai créé un nouveau projet dans lequel j'importe mon FBX que j'ai sorti de Marvelous, pardon, j'ai fait Marvelous. Et on définit une résolution de document. Et après, ici, on a un truc qui s'appelle UDIM, du coup, UDIM. Et du coup, on peut dire à Substance de conserver ou de fabriquer lui-même les UV. Nous, on va conserver les tuiles parce qu'elles sont parfaitement rangées depuis notre Marvelous. Ce qui fait que quand on importe, bah, ici, on retrouve cette vue 2D que vous aviez dans le Marvelous ici. Et qui fait qu'on a des superbes UV sur lesquels travailler nos superbes textures. Et après, alors moi, je précise un truc, c'est que je suis pas du tout un professionnel de substance, mais j'explore le soft. Et vu qu'il y a quand même une espèce de, enfin, il y a une facilité parce qu'en fait, en final, on se retrouve un petit peu comme dans Photoshop, quoi. Ça fonctionne avec des calques et il y a différentes couches. Mais une fois qu'on a compris globalement comment fonctionne une texture 3D avec les matériaux BBR et comment fonctionne le système de calque de Photoshop, on a à peu près les bases, on va dire, pour démarrer. Du coup, bah, typiquement, on va venir jouer avec différents paramètres. Donc là, premièrement, moi, j'ai fait une première matière pour juste définir la couleur, tout simplement, de mon De pantalon, ton cuir, ouais. de mon cuir. Donc ici, ça va être un noir, tout simplement. Je suis venu ici dans les matériaux sélectionner uniquement la petite channel color pour pouvoir jouer et influer que sur la partie couleur de ma matière. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la meilleure technique pour le faire, mais en tout cas, c'est celle qui fonctionne pour moi. Et ça, c'est tout ce qui compte. Et après, on va venir un petit peu lui appliquer un petit peu de texture, quoi, un petit peu de displacement, de haze. Donc ici, j'ai créé une deuxième matière avec un noise perlin, comme les gens certainement connaissent, qui permet du coup de qui va me permettre de pouvoir créer cette espèce de petit effet ici. De noise un petit peu aléatoire pour commencer à amener un peu de texture. Au final, le cuir, c'est quoi? C'est de la peau, hein?
C'est C'est une peau une peau d'animal, tannée, quoi. ouais. Et surtout, ce que le commun des mortels imagine sans doute peu, c'est que la plupart des cuirs, finalement, c'est des peaux qui sont tannées très lisses et qui sont imprimées avec un motif réellement, enfin, Ouais. qui sont pressées par la suite. Alors qu'on se Ouais. dit, bah oui, c'est la vraie, on a les empreintes digitales de la bête qu'on a mis à plat, C'est mais pas ça. du tout. Ça sort tout droit de la peau de ce pauvre animal. Non, c'est faux. C'est un mensonge, comme beaucoup. Et après, du coup, une fois que j'avais eu cette première base, je voulais venir travailler un petit peu les différents plis aléatoires que peuvent être engendrés par le côté textile, quoi. Et alors ça, c'est quand même incroyable avec Substance, pour le coup. Moi, c'est vraiment un truc que je trouve trop cool. C'est qu'au final, on peut venir ici. Donc, en fait, je crois que j'avais fait... Attends, je suis plus ma petite fenêtre Zoom. La bête. De base, on est en projection UV avec correspondance de tuiles, je crois. Et donc, comme vous voyez, là, ça vient plaquer ma texture sur mon UV de manière parfaite. Ici, d'éléments, on a déjà des éléments tout préconstruits dans Substance qui permettent d'aller plus vite, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai Cloth Fold Large que je peux venir sélectionner. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de centraliser les plis sur des zones qui pourraient être intéressantes naturellement, il y aurait un peu plus de plis. Donc, typiquement, ce serait au niveau de laine, au niveau du bassin. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que je peux directement changer le type de projection, mettre en projection sphérique et venir comme ça me déplacer et créer un espèce d'épicentre d'où ma texture va être émise. Pour travailler sur ce système de plis-là. Et après, je peux venir complexifier les éléments en jouant avec la répétition, ce genre de truc, ce qui est quand même trop bien. Et après, on peut aussi venir appliquer un petit masque pour définir quelles sont les zones où on n'a pas forcément envie qu'il y ait un pli ou quoi. Et ça, c'est aussi super pratique. Ça marche comme les masques de fusion dans Photoshop. Alors, je suis à la souris, donc ça va peut-être pas être top top, quoi. Mais globalement, voilà, ici, vous voyez, je peux venir peindre pour revenir estomper un petit peu le trait. Tac. Comme ça. Donc, c'est super parce que du coup, ça me permet d'avoir un vrai contrôle, quoi, sur ce que je suis en train de faire. Et typiquement, ça me permet d'avoir mes plis vraiment là où j'ai envie qu'ils soient. Oui, Et c'est là fou où je parce vais que prendre. t'es vraiment en train de modeler comme on aurait modelé dans un ZBrush ou autre, et de Exactement. retrouver en fait de retrouver le relief, donc du pantalon ici, ouais, c'est fou, ça, c'est chouette. Exactement. Et puis aussi, faut garder en tête la plupart du temps, si vous ne travaillez pas pour une photo, Ouais. typiquement, et que ça va être pour de l'animation, ce genre de choses, en fait, il va falloir. On a besoin de détails, on a besoin de complexité, et Marvelous peut très très bien gérer un très grand nombre de polygones, mais si d'un coup il va falloir simuler tout ça, en fonction de la capacité de votre ordinateur, je suis pas sûr qu'il survive, même si c'est des outils très bien, très stables et très bien faits. Du coup, typiquement, venir rajouter du détail par la texture, c'est super option, quoi. Ouais, carrément. Donc typiquement, voilà, ici, je peux venir contrôler un petit peu comme ça. Et puis, ce qui peut être cool aussi, c'est venir rajouter un petit effet. Parce qu'on peut venir mettre des effets dans des calques, enfin, dans des matières, quoi. Et là, typiquement, moi, je vais mettre un petit filtre. Et c'est un petit blur qui s'appelle Blur Slope, qui est vraiment bien. Et qui, en fait, va me permettre de venir rechoper un petit peu ce côté écaillé de la peau, quoi, De la peau, ouais, du qui est cuir un petit super peu intéressant. avancé. Et du coup, je peux venir faire varier ici l'intensité en niveau très bas parce que au final, Donc là, ce t'as pas sera léger. besoin, on n'est pas sur de la terre aride, on est sur de... Exactement. On est sur un cuir et puis aussi pour le regarder de la distance à laquelle on va le photographier, quoi. Là, pour moi, pour mon cas, j'essaie de matcher un humain qui est pris en pied. Donc, en soi, on va être à peu près à ces niveaux-là
de recul. Donc parfois c'est cool de forcer un peu le trait, histoire de d'accentuer un petit peu la texture, quoi. Et voilà. Et en fait, typiquement, juste comme ça, on peut venir travailler son close, et c'est vraiment super super pratique et super cool. Donc là, j'avais fait une partie pour le haut, j'ai aussi fait une partie pour le bas, qui est juste ici. Tac. Parce que bah, là aussi, on a un moyen de venir contrôler, pardon, les plis au niveau du bas de des jambes. Et enfin, j'avais rajouté aussi une petite couche de roughness, parce que je voulais que mon cuir il soit shiny, quoi. Un peu de vinyle, un truc un peu qui brille. Ouais, c'est cool, ça marche bien. Et du coup, alors dans les gens qui nous suivent sur le chat, est-ce que vous aviez déjà vu ce genre de process? Donc l'idée de vraiment faire la peinture des différentes matières. Je sais que pendant Substance, ça a été une révolution pour les gens qui faisaient de la 3D, parce qu'avant on était beaucoup sur Photoshop et on faisait élément par élément, espace par espace sur les dépliages d'UV. Et là, on est arrivé à pouvoir vraiment plaquer plusieurs parties de la matière, plusieurs caractéristiques de cette matière directement à coup de pinceau. Ben, comme là tu le fais, toi t'es à la souris, t'es au stylet, j'ai même pas fait gaffe. Là, je suis à la souris, mais normalement, je travaille sur ma tablette. Parce que c'est quand même. Il y a, du coup, ça prend aussi en compte la pression, etc. Comme un vrai brush Photoshop, quoi. Donc, ça, c'est assez cool. Enfin, ça permet vraiment de bien maîtriser ce que tu fais. Et aussi. On t'a reperdu, j'espère qu'on va te retrouver assez vite. On va te retrouver assez vite. Du coup, j'en profite, vu qu'on l'a perdu pendant 15 secondes, pour vous faire le petit bout de Si, faire du débriefing. forme. Parce que là, on est sur Attends. une texture globale, mais s'il fallait faire un peu, je suis revenu. T'es revenu, assez marrant, parce que du coup, il te garde frisé et il compresse le reste du texte. Super. J'allais en profiter pour dire une bonne nouvelle pour Julie qui vient de gagner une place pour dimanche et qui va me contacter côté Behance par message pour qu'on facilite ça. Et pareil, si vous voulez encore jouer, si vous êtes avec nous dimanche et que vous voulez être, si vous êtes à Paris, pardon, dimanche et que vous voulez être avec nous sur Motion Plus Design, vous allez du côté YouTube, vous mettez un petit message avec écrit Coucou Paris et je ferai un tirage au sort au fil de la session. Pardon. Vincent demande si tu es sur une projection sphérique sur ça. Alors pas sur le, enfin sur les bouts de close. Là, je suis sur une projection sphérique, ouais, pour contrôler un petit peu la zone, le centre, en fait, l'épicentre de l'émission de la texture pour le close. En gros, c'est ce qui me permet d'avoir ce côté un petit peu éclaté au niveau de laine, ou même au niveau ici. Ouais, Donc carrément. voilà. Et du coup, ça va toi qui as l'habitude justement de gérer à la fois du Marvelous, du C4D, du After, etc. Ça reste un outil qui est abordable en termes de compréhension. Substance? Ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est, en vrai, c'est assez intuitif, parce que, comme je disais, moi, je suis pas du tout expert. J'ai pas suivi de formation là-dessus, et c'est vraiment, à chaque fois, j'ai un besoin et je me dis, ah, est-ce que Substance peut le faire ou pas? Et je découvre la plupart du temps qu'il peut le faire, et ça, c'est quand même trop bien. C'est quand même assez magique. Ouais. Bah, typiquement, ça permet vraiment de, ouais, moi, la plus grande force, je trouve, c'est de vraiment pouvoir apporter du détail sans avoir à défoncer le nombre de polygones dans les créas 3D. Quand tu fais du ZBrush ou du modeling ou ce genre de choses, typiquement, c'est vraiment top de pouvoir. Tu peux apporter des modèles avec un très haut niveau de polygones directement dans Substance, et baquer les textures, calculer les textures directement dans Soft, pour ensuite les réexporter sur du CKD. Après, c'est le grand looping de toutes les applications, Ah, mais carrément, les carrément. pipelines qu'on adore. Les Mais fameux pipelines. ouais. Joël me dit, je suis très curieux si jamais on a le temps avant de la fin de la session de voir comment tu traques tes créations sur les rushs vidéo. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on pourra faire? Alors, honnêtement, je pense pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est très simple. En vrai, c'est jamais, quasiment jamais la même technique en fonction de ce que je fais. Parce que
Bah, si je récupère des images qui ont été tournées, que je n'ai pas contrôlées, je vais utiliser une technique différente de si c'est moi qui vais filmer mon acteur et du coup pouvoir mettre des points de tracking sur les visages, ce genre de choses. Donc en fait, ça va jamais être les mêmes outils et les mêmes, Les mêmes la workflows. même technique, ouais, la même technique. Donc c'est très, très varié. Et puis après, au-delà de ça, même si maintenant je commence à avoir une très bonne idée de comment je peux traquer de manière efficace des choses, ça va être Ouais, ça reste quand très même beaucoup technique et d'expérimentation. ouais, C'est très très beaucoup laborieux même. d'expérimentation. Ouais. Bah, c'est du mélange. Je vais aller chercher un peu de tous les côtés. Ça peut être à la fois du tracking manuel, à la fois du tracking de soft via CKD, comme du tracking aussi plus expérimental, notamment avec des IA. Qui font ça, tu as des outils gratuits sur GitHub qui permettent de faire ça. Et en fait, la plupart du temps, ça se retrouve être un très bon mélange des trois. Donc, Le mélange qui marche bien au bon moment. ouais, clairement, mais c'est vraiment pas. Pour moi, c'est pas un truc fixe tant que j'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter avec. Je sais pas si vous avez vu ces trucs-là, maintenant, il y a des tracking suits rococo. Qui permettent que tu enfiles et en fait tu as ton studio de motion capture en direct chez toi, c'est ouf. Directement à la maison, je crois que ben, on avait reçu Atom qui avait évoqué ce sujet-là Ouais. et qui essaye beaucoup de trucs et notamment le tracking suit, il avait joué à ça et ça lui allait très bien pour pouvoir faire ses Ah, c'est vrai. intégrations vidéo. On a des sessions avec Atom, je vous laisse Ça a l'air regarder ça. incroyable, ouais. J'aimerais beaucoup tester, mais après, bon, voilà, il faut mettre la main sur ça et typiquement, c'est pas dans mes prix, quoi. Ou alors, faut être bien entouré. Ouais, voilà, faut avoir des copains, ce qui n'est pas non plus mon cas. Non, je rigole. Lionel qui nous dit, faut vraiment que je me mette à Painter, ça a l'air tellement puissant. Et oui. Et Joël qui a une grosse pensée pour Pauline, qui aurait halluciné de voir ça, je pense. Oui, je sais pas si Pauline est devant sa télé, mais le matin, c'est pas son heure. Donc il y a peu de chance. Mais on en reparlera dimanche. Heureusement, il y a du replay. Exactement. Il y a le replay, vous êtes là. J'ai vu que vous continuiez à nous dire des coucou Paris, bonsoir Paris, et bonjour Paris. À droite à gauche du côté YouTube, donc c'est cool. Je vais relancer tout à l'heure un petit tirage au sort pour la suite. Hop, allez, on retourne chez toi. Merci. Ok. Et ben du coup après dernier détail qui peut être intéressant, c'est les lignes de couture parce que là pour l'instant on a un produit bah, qui fonctionne, mais ce serait cool de pouvoir rajouter un petit peu de lignes de couture. Alors il y a plein de techniques pour le faire. Il y a même un auto-stitcher dans Painter. C'est assez ouf. Ça crée du coup des lignes de couture en pointillés autour de tes UV. Et c'est automatique. Et vu que nos UV, ils sont super clean et qui correspondent au patron en fait de construction, généralement ça marche super bien. Moi, j'utilise une autre technique un peu plus homemade parce que, Roots. ouais, un peu plus roots parce que j'aime bien que ce soit présent mais pas trop présent. Et avec l'auto-stitcher, tu peux contrôler la taille des stitches, mais généralement, au bout d'un moment, j'ai pas encore élucidé le mystère de comment je peux les rendre plus fines, on va dire. Donc, en gros, j'utilise un truc qui s'appelle UV Border Distance, qui est assez cool. Ça se trouve dans Ajouter un générateur ici. Et c'est un générateur qui va créer des bordures sur les UV, en fait. Et je peux même vous le mettre ici, je crois, si je suis en Ace, il me semble. C'est pas en Ace, c'est en. Je vais vous dire pas de bêtises. Ici, c'est en Ace. Je vais juste montrer le canal. Ouais, si tu vas les mettre sur quoi? Sur la hauteur, sur la En fait, sur... je voulais montrer le modèle 3D, tu sais, Ouais. avec juste les bordures blanches. Pourtant, non, non, je dis des bêtises. Eh ben, je vais peut-être pas vous les montrer, voilà. Comme ça, c'est tant pis pour vous. Parce que tu peux pas avoir le rendu juste de ça, quoi. Mais en fait, il me semblait que si. En plus, je l'ai fait hier en me disant, ah, ça c'est intéressant, je dois le En montrer. me disant, je vais vous montrer ce truc. En fait, Exactement. pas du tout. Mais voilà, Vincent, c'est c'est le ça. moment de te manifester dans le chat. Parce Voilà, qu'on a. si on a un professionnel dans l'assemblée, ça m'intéresse toujours.
En tout cas, bon, c'est pas très grave. Globalement, ce que ça va me faire, le border distance, c'est que ça va me générer des traits sur les contours de mes duvets ici, là, tac, tac. D'accord, ouais. Et donc, en fait, en venant en superposer plusieurs, je vais pouvoir rechoper, bah, ajouter du petit détail ici au niveau Ouais, de mon. et le tout sans avoir à le modéliser et quasiment en automatique. Ah Exactement. Et voyez, à la fin, donc à la fin, j'utilise juste un truc qui s'appelle Haze to Normal, qui, du coup, UV Border Distance, ça me fait une map de blanc et noir, quoi. ouais. Du coup, automatiquement, ça me fait des maps de hauteur, on va dire. Et après, je les passe en normal pour ajouter un peu de détails, quoi. Mais typiquement, voilà, ça va me permettre de faire ce genre de choses. Et peut-être que c'est là que ça va marcher, finalement. Non, même pas. Ah, si, c'est là. Oui, en fait, c'est ma phase de normal. Et du coup, on peut voir ici comment fonctionne le UV border distance. Ici, j'en ai mis un premier, puis j'en ai superposé un deuxième qui est beaucoup plus fin. Et donc, en fait, ça permet d'avoir cet effet un petit peu de couture retournée, quoi, comme dans la vraie couture. Et donc, après, si je repasse sur l'éclairage de matériaux classiques, Alors, bah. Vincent nous disait au passage, si tu veux passer d'un canal à l'autre, Ah canal, ce ouais. sera avec la touche C, canal, channel, et du coup, tu passes de l'un à l'autre. Ah, superbe! Voyons, on apprend tous les jours. Ça, c'est Voilà, incroyable. ça c'est le tips du jour de Vincent, il est vachement bien, hein, profitez. Merci, Vincent. Vincent qui fait partie de nos community managers sur toute la partie substance et qui est très 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 bon sur tout ça. Vincent, je veux bien des cours. Ça m'intéresse. J'en parlais à fond juste avant. Voilà. Donc, une fois qu'on est content de sa superbe création, bah, c'est le moment où on exporte tout ça et où on passe sur CKD. Et pour moi, là, ce sera Redshift. Du coup, ce qui est trop bien aussi avec Substance, c'est que quand on exporte, on peut exporter les textures ici. Et en fait, il y a des modèles de sortie qui sont déjà préfabriqués en fonction du moteur de rendu que vous utilisez. Parce que tous les moteurs de rendu ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Du coup, là, c'est quand même super pratique. Je peux juste sélectionner Redshift ici, sans toucher quasiment aucun paramètre. Je définis un dossier de sortie, je clique sur exporter et ça me sort bah, la liste des textures, quoi. Carrément, D'ailleurs, oui. là, voici. Parce que ça, pour le coup, hein, je pense que les gens qui sont un peu dans la 3D ont à peu près le concept. Pour les gens qui débarquent complètement et qui avaient jamais vu ça, chaque moteur, chaque application, que ce soit CKD, on a vu Renderman, on a vu Redshift, etc., va avoir sa propre manière d'interpréter en fait ces textures. Et du coup, c'est là où on va profiter d'avoir un traducteur depuis Substance. Oui, exactement. Surtout que Substance, lui, va gérer vraiment tous ses exports. Enfin, moi, j'imagine juste comment c'était possible à l'époque de Photoshop de créer des passes comme ça, quoi. Bah, c'était possible, mais c'était bien long, quoi. Ouais. Mais ça se Ouais. faisait parce que ça existait. Après, c'était la longueur du, enfin la durée du process rendait le truc beaucoup plus rare, beaucoup plus. Exactement. Du coup, c'est quand même assez génial. Et donc là, après, ben, c'est toutes mes sorties. Et comme vous voyez, à chaque fois, ça va par deux parce que j'ai du coup deux UDIM, c'est-à-dire deux calques de support 3D, de texture 3D. Comment dire ça? Je ne sais pas. En gros, ce sont mes deux carrés que vous voyez là. Donc en fait, quand il m'exporte, il me crée un PNG. Par carré, quoi. Un PNG par calque, et en fait, c'est ce qu'on a. Donc, les UDIM, en fait, c'est le fait de poser ta texture sur les UV de ta matière quand tu, enfin, de ton modèle 3D à la fin. Exactement. Et après, il n'y a plus qu'à passer dans ces cabinets. Je ne sais pas si on attend, Ouais, on coupe, tu me on a dis, on va encore faire comme si. un petit quart d'heure. Vincent nous dit avec Photoshop, c'était beaucoup de café et de larmes. C'est joliment dit. Tiens, et petite question de Julie, pourquoi Redshift et plus Octane? Parce qu'en vrai, en fait, Octane, je crois que je suis parti
juste avant qu'ils fassent des mises à jour, on va dire, et que ça s'améliore. Mais le fait que ce soit un moteur, entre Octane, il y a deux types de moteurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a les biased et unbiased. Et Octane est un moteur unbiased, c'est-à-dire qu'il répond de la réalité physique basée sur les lois de la physique de la lumière. Et que du coup, on ne peut pas trop tricher avec, c'est-à-dire qu'on peut tricher quand même, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que si j'ai envie que tel ou tel élément ne soit pas soumis à, ne soit pas réfléchi dans telle ou telle matière et que telle matière ne renvoie pas de lumière, etc., etc., je peux pas le faire avec Octane, alors que Redshift, qui est un moteur biased, De me permet de faire ça. tricher beaucoup plus et d'avoir plus peut-être un contrôle de directeur Exactement. artistique sur ton image Exactement. que juste un contrôle de réalité. Ouais, exactement. Et du coup, j'avais un peu atteint la limite d'Octane à ce niveau-là. Surtout pour du VFX où j'avais besoin de faire de l'intégration avec des choses du vrai monde, quoi. Et donc Redshift était un peu la solution concurrente, mais totalement adaptée pour moi. Mais après, j'adore Octane et je trouve qu'il y a une facilité d'approche du rendu avec Octane qui est pas encore égalée Du côté Redshift. du côté Redshift. J'ai commencé sur Octane et c'est après que je suis passé sur Redshift, quoi, pour le coup. J'ai vu qu'il y avait quelques camarades du Motion Café qui étaient là et il y a eu une session hier sur Maxon One et les nouveautés entre CK4D, Redshift et tout. Donc, si vous avez du temps libre et des vidéos, vous pourrez regarder ça et en reprofiter. Allez, on est reparti chez toi. Du coup, bah, on retrouve ma scène là que j'ai parfaitement alignée avec ma photo de base, hein, je le rappelle. Et en gros, alors je vais encore pousser la petite caméra, le petit truc de Zoom, pardon. Oui, du coup, je disais, je retrouve un petit peu ma scène ici. Et en fait, bah, on va venir recréer cette texture de pantalon là, qu'on a faite sur Substance, pardon. Donc, pour faire ça, je vais l'effacer, on va la refaire. Je vais aller dans Redshift, créer une nouvelle matière. Donc là, pour que vous puissiez voir en temps réel, peut-être que j'active ça. Ça serait pas mal en or. Je vais faire une zone de sélection, voilà. Ok. Donc ça, c'est ma scène en tant que telle. Hein. Là, je vais venir un petit peu, du coup, travailler sur le pantalon que j'ai modélisé dans Marvelous et texturé dans Redshift. Donc on va l'appeler Leather, parce qu'on est anglophone. Je vais l'appliquer ici. Tac. Et ce qui est top, c'est que déjà, pour info, si on check les duvets, oups, pardon, je recommence. Si on check les duvets, s'il veut bien les checker avec moi, oui, on retrouve exactement la même positionnement La de, même ouais, disposition, ouais. exactement. D'où l'intérêt de l'avoir fait en amont et de pas Exactement. bricoler. Exactement. Ce qui va être super pratique parce que maintenant, on va pouvoir aller super vite, quoi. C'est-à-dire que là, je vais importer ma matière laser ici, tac, et puis je vais venir du coup choper dans texture. Alors il y a plusieurs manières, moi je vais clairement juste faire un glisser-déposer parce que j'ai la flemme. Tac, 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 et je vais venir sélectionner que un des deux éléments carrés sur deux brillants. Chaque fois c'est fini par 1001, 1002, ça veut dire bloc 1, bloc 2, bloc 1, bloc 2, bloc 1, bloc 2. Donc là, je vais sélectionner que le bloc 1. Je vais glisser-déposer dans Redshift. Alors, je vais dire non, 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 je ne veux pas que tu déplaces tout. Voilà. Et on va peut-être commencer par un truc qui se voit. Donc, typiquement, là, on va avoir affaire à du bump. Je pense que c'est le truc le plus parlant. Déjà, on va relier la couleur, histoire de se dire qu'on est bon sur la couleur. Donc, on va. Donc Redshift, hein, ça marche en nodal, donc l'idée c'est de venir récupérer les différents canaux ici et de venir connecter bah, les textures qu'on a créées dans Substance. Donc ici couleur, bon bah, c'est juste un noir en soi. Donc comme vous pouvez voir, ça donne ça pour l'instant. Pas du tout ce qu'on veut, mais on va venir ajuster au fur et à mesure. La roughness, pareil, elle va correspondre à cet élément-là dans Réflexion
Réflexion, la fesse. Tac. Déjà, ça va un petit peu mieux. On diffuse un petit peu toutes ces réflexions qui sont pour l'instant très intenses. On va venir ajuster le weight pour l'instant, parce que c'est quand même un peu vénère. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser sur les maps de displacement. Donc, Redshift, ça marche. Le bum qui va le gérer, donc c'est-à-dire le bum, ça va être toutes les petites aspérités, tout ce qu'on a créé un petit peu sur Substance là. Redshift qui va gérer le bump avec un node spécial qui se trouve dans. Enfin, je peux le taper, tout simplement. Je fais tout par recherche maintenant parce que c'est la flemme d'aller chercher les éléments. Donc on a ce petit node qui s'appelle bump map. Et en fait, on va venir plugger notre texture Substance dans le bump map ici. On input, tac, et alors petit raccourci. Moi, j'ai programmé un petit raccourci sur mon ordi qui me permet de voir directement la sortie de l'élément que j'ai sélectionné vers l'output. D'accord, ouais. C'est marrant, j'ai l'impression que ça ne répond plus, mon Redshift. Est-ce qu'il est un peu fatigué parce qu'il y a trop de programmes ouverts? C'est possible. Est-ce que tu l'as lancé il y a longtemps? Est-ce que tu as une petite blague de petit driver Nvidia qui est fâché? Faites pas ça, s'il vous plaît. Tout va bien. Donc, je disais, clac, je vais pouvoir venir plugger ma bump map ici, dans le matériau Shift. Hop, overall, bump input. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que, alors, là, on va avoir. C'est une manière de fonctionner un peu spécifique à Redshift, mais du coup, il prend pas en compte, enfin, les normales, il les prend en compte évidemment, mais il faut aussi passer par ce qu'on appelle le node de bump map pour les normales. Donc, il va falloir que je duplique ce node-là et je vais venir le plugger ici et je vais venir dire au node de bump de passer en tangent space normal, qui veut dire du coup qu'on parle bien d'une texture de normale et pas une texture de. De couleur. Ouais, exactement. Et je vais aussi venir régler mon input de texture ici dans le color space parce que ça crée des espèces de petits artefacts sinon. Je peux même vous montrer si vous voulez. Non, attendez, je vais peut-être finir ça. Ah, je vais partout. Je suis désolé hein, si je suis un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas easy, easy d'expliquer tout ce que tu fais. Du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que maintenant, il va falloir que j'arrive à plugger ces deux éléments de normal et de ace dans un même input de bump. Du coup, D'accord. il faut que je merge les deux éléments. Les deux Donc, sorties. Donc, c'est en gros, pour ceux qui ne sont pas familiers du tout avec le concept de node, l'idée c'est que tout ce que vous voyez sur je dirais un pixel de la texture, en réalité c'est plein de calculs pour dire est-ce qu'on va remonter ou abaisser la texture, est-ce qu'on va augmenter le reflet ou est-ce qu'on va le baisser. Et ces nodes en fait permettent de faire des opérations mathématiques, des fusions, un peu ce qu'on a l'habitude de faire dans Photoshop sur les modes de fusion. Quand vous dites produit, bah, si vous mettez deux trucs foncés, ils vont être encore plus foncés. Si vous dites éclaircir, et ben vous allez avoir le contraire, les lumières vont s'ajouter. Et là, c'est à peu près la même chose en node, et ça permet parfois de faire des trucs fort compliqués, mais qui donnent exactement le rendu qu'on veut à la fin, et c'est la magie de la chose. et oui, exactement. Et du coup, on utilise un node qui s'appelle Bump Blender et qui du coup me permet de venir rajouter mon premier input, mon deuxième input, de les passer en additif pour que les deux s'additionnent et ensuite venir re-sélectionner ici le Bump Input dans le node principal de matière. Et vous voyez que là, on a du coup le bon plaquage. Mais, bien, mais. Alors déjà, il y a des espèces de petits artefacts. Je ne sais pas si vous les voyez là, les petits triangles. Ça, moi, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi j'avais ce genre de problème. Et après, j'ai compris en fait que en fait, Redshift interprétait mal l'input de mon image. Et en fait, automatiquement, il gère l'espace colorimétrique. Et en fait, si on ne veut pas avoir ce genre d'artefacts et de problématiques, il faut passer les éléments en rond, tout simplement. Et en fait, ça va permettre à Redshift de ne pas réinterpréter les couleurs. Et du coup, on va avoir ici
D'un coup, oui, ça change tout, quoi. La texture est parfaitement interprétée et on retrouve les bonnes, les bons éléments qu'on a travaillé sur substance juste avant. Donc là, on pourrait se dire, ah bah c'est super, c'était facile et tout, c'est fini. Non, pas Sauf tout à que. fait. Sauf que, il y a toujours cette histoire du dîme. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais j'enlève ma bijou ici, tac. C'est quand même magique qu'on arrive à essayer de caler un collant moulant sur du dîme. Ouais, carrément. C'est vrai. Ta 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 ta. Alors là, Non. est-ce que tu gagnes des points? Il y a un truc, un système de points dans le live Non, pour les blagues ou pour les pas? vannes, ah, je sais pas. Ouais. Non, Ok. je gagne des points communauté. Les gens qui rigolent dans le chat me font plaisir, me font chaud au cœur. Les gens qui font du facepalm, ben, moins, mais je les aime bien quand même. Ça veut dire qu'ils ont compris, même s'ils n'ont pas apprécié. Franchement, il faut l'encourager. Moi, je pense que c'est bien. On a besoin de ça. Du coup, là, je me retrouve dans mon petit explorateur. Là. Alors, pourquoi je ne vois pas ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas. Caméra. Je voudrais ma perspective, s'il vous plaît. Peut-être pas celle-là. Celle-ci. Voilà. Donc, je disais, on a un problème. Bah, par exemple, ici, là, c'est que c'est tout n'importe. Ça fait, c'est tout et n'importe quoi finalement. Cette histoire, c'est-à-dire que la texture a l'air d'être bien plaquée sur certains endroits de mon pantalon, mais à d'autres endroits, elle l'est pas du tout. Et ça, c'est parce que bah du coup, quand j'ai créé ma matière de cuir là, j'ai importé mes textures, mais j'ai pas importé le set complet de textures. J'ai importé que un élément sur deux. Donc du coup, pour faire ça, il y a une petite fonctionnalité très facile qui nous permet de faire ça. Ça s'appelle, c'est ici là, c'est dans le truc de recherche. En fait, à la fin de notre passe, là, dans l'input de passe, on a un truc qui dit 1001. Et je vous disais, pour importer le deuxième input, ça devrait être 1002. Et on ne va pas importer deux nodes et additionner 1001 plus 1002. Ça, c'est pas comme ça Que que ça ça fonctionne. fonctionne, ouais. Voilà. Ce qu'il faut dire à Redshift, c'est que c'est un UDIM, donc c'est qu'il y a une séquence, quoi. Et donc, en fait, avec juste cette petite manip là, vous voyez, il vient ici choper toute la séquence, C'est il l'a ça, piqué. il remet le bon truc dans l'ordre. Il s'embête pas à vous récupérer toute la liste. Ouais, nice. Exactement. Et ça, c'est quand même génial. Et du coup, après, bah, vous pouvez le faire sur toutes les textures pour Sur être chacune, sûr à de chaque fois les. que tu as un 1001, tu vas le remplacer par le. On aimerait qu'il existe. J'aimerais bien qu'il existe un système encore un peu plus simple, mais. Alors, il existe peut-être un système plus simple. Peut-être que comme on a Lionel et Vincent ici, ils vont réussir à nous trouver une solution. D'ailleurs, il y a eu un échange entre Maël et Vincent qui disait, mais alors pourquoi C4D plutôt que Blender? Et Vincent lui disait, C4D est énormément utilisé dans le monde du motion design et souvent considéré comme plus facile d'accès comparé à Blender. Est-ce que c'était toi ton. Ouais, clairement. Bah, en gros, je vais parler en temporalité de en temporalité de personne qui a commencé plutôt tôt, on va dire. Honnêtement, moi, j'ai commencé sur Blender quand c'était Blender 2 points. Avant la 289. Ouais, c'était 20 et quelques. Donc, c'était un enfer. C'était un enfer, mais c'était le seul. Il n'y avait pas de tuto à l'époque. J'avais appris Blender sur un manuel que j'avais emprunté à la bibliothèque. C'est pour vous C'est beau dire. ça. Ouais. Donc, finalement, j'étais pas resté longtemps sur Blender parce que ben, c'était quand même inaccessible. Et puis, un jour, C4D s'est pointé. Et puis, en fait. C'était déjà 10 fois plus simple en termes de logique et de manière de procéder. Et du coup, je suis resté en fait un petit peu par défaut sur C4D, même si j'utilise quand même Blender maintenant pour des tâches très spécifiques. Je ne suis pas du tout pro dans Blender, mais j'aime bien explorer parce que je trouve qu'ils ont quand même énormément d'outils qui sont super avant-gardistes par rapport à la concurrence et ultra pro aussi finalement. Alors que c'est un soft gratuit. Du coup, c'est quand même un super. Enfin, si vous bossez sur Blender, c'est trop trop bien. Enfin, moi, j'aimerais en savoir plus, mais j'ai juste plus le temps de tout apprendre, de tout réapprendre. Une chose à la fois, effectivement.
Bon, c'est cool. Allez, il nous reste 4-5 minutes. Qu'est-ce qui arrive à cette image une fois qu'on est à ce stade-là et qu'on a placé les textures? Bah, du coup, maintenant, vous voyez, ma texture, elle est parfaitement appliquée sur mon sheet, quoi. Donc, après, bah, il ne nous reste plus qu'à faire un petit rendu. Je vais repasser sur ma caméra ici. Il nous reste plus qu'à faire le rendu. Et là, bon, un petit peu de compositing, hein, du coup. Je précise juste que j'utilise un système de multipass pour me sortir différents éléments. En gros, pour du compositing, surtout pour ce genre de production-là, ce qui peut être intéressant pour bien mélanger le live action avec la 3D, ça va être de pouvoir retoucher de manière très ponctuelle, juste certains vêtements, certaines textures, etc. Donc pour ça, j'utilise ici le système de multipass de Redshift qui s'appelle AOV Manager. J'utilise quelque chose qui s'appelle CryptoMate, qui est en fait une manière pour Redshift de sortir bah, tous les différents éléments de ma 3D. Et vous allez voir dans After Effects, en gros, comment je vais réutiliser cette passe-là pour retoucher différents aspects de mon rendu. Donc, en gros, quand on rend. Non, c'est pas ça. Quand on rend. Tac, c'est ça. Là, quand on rend le truc. On se retrouve avec une image comme ça. Et là, comme vous voyez, bah, moi, ce qui serait pas mal déjà pour commencer, ce serait déjà d'isoler juste les vêtements pour pouvoir les réappliquer sur la photo de base qui est ici. Parce que là, c'est la photo de base et ici, c'est la sortie 3D. Donc en gros, je vais venir juste réajuster ces deux trucs-là. Donc là, je fais un petit clic droit pour géométrie, ajuster la composition, pour que les deux images soient bien superposées parfaitement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser cette passe de multi qui est sortie ici, qui s'appelle CryptoMate, que j'ai importée. Donc, c'est une passe noire. Et il y a un effet dans After Effects qui s'appelle CryptoMate, ici. Si je l'applique, cet effet. Vous voyez, il va venir réinterpréter toutes les données EXR. D'accord. Donc, en fait, j'ai pas dit ça, mais j'ai fait une sortie EXR. Ah, ça a coupé. Non, c'est bon, je suis là. T'es là, t'es toujours là? Tu m'entends? Nous, c'est bon. Ça va couper, ça y est, toi tu es frisé. Non! Ça va revenir, hein. Ça va reprendre parce qu'on est là et on t'entend très bien. OK. Donc on en était aux Ouais. EXR, ouais. Du coup, je Donc. disais, ouais, j'ai sorti des passes EXR qui sont des genre une espèce de un fichier multicouche, quoi, un peu comme un PSD, mais qui peut contenir beaucoup plus de données. Et du coup, en fait, ici, là, le CryptoMate, ça va me permettre de venir sélectionner en fait juste les éléments qui m'intéressent. Et si j'appuie sur Shift, je peux venir additionner ces éléments-là et du coup venir sélectionner juste bah, les vêtements que j'ai envie de retoucher ou pas. Et donc là, typiquement, moi, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt le pantalon. Donc, bah, je vais venir sélectionner le pantalon comme ça, tac. En appuyant sur Shift, je vais venir aussi sélectionner les petits espèces de petites épines là, que j'ai rajoutées sur ces 4D. Voilà, j'en ai rajouté un trop. Et quand on est good avec ça, je le passe en matte only pour avoir juste un niveau de noir et blanc. Et ça, je vais renommer mon calque Else, pour dire que c'est le pantalon. Et donc maintenant, ici, je reprends ma passe de. Je vais le cacher, je reprends ma passe de 3D. Et je vais appliquer un effet qui s'appelle cache. Appliquer un cache. Je ne sais pas si les gens font ça, mais moi, j'utilise vachement ce truc. Parce que c'est super pratique en vrai. Et ici, je vais venir sélectionner mon calque Pence. Ici, je vais le passer en mode effet et masque pour être sûr qu'il prend bien en compte l'effet que j'ai appliqué sur le crypto. Et je vais venir choisir le luminance. Et là, comme vous voyez, hop. J'ai plus que le pantalon qui est appliqué D'accord, ouais. et qui est parfaitement détouré avec juste ma passe de base derrière. Et à partir de là, bah, c'est super cool parce que je peux appliquer plein d'effets sur ce pantalon-là. Et je vais pouvoir venir retoucher bah, typiquement par exemple les courbes. Pourquoi? Parce que bah, là, je pense que ça manque un peu, les noirs ne sont pas assez profonds. Donc il va falloir que je vienne
Ouais, tu as quand même une passe enfin une passe, une étape où tu vas refaire de l'étalonnage sur ton rendu. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que en soi, Redshift, enfin, je peux m'approcher un maximum, mais au bout d'un moment, Redshift, déjà, il va transformer la passe de derrière, etc. Donc ça, la passe de derrière, elle va juste me servir à choper les réflexions, à choper ce genre de trucs. Mais il faut rester sur la passe de base qui a été tournée, quoi, parce que c'est la passe qui est la plus propre. Donc après, je viens juste réajuster, faire cette petite passe de réajustement de 3D, quoi. Et voilà, une fois que vous avez fait ce process-là, bah, vous pouvez l'appliquer sur n'importe lequel des autres vêtements pour arriver à l'image finale, du coup, qui est ici, en tout cas pour ce truc-là. Bah, tu vois, tiens, j'ai des réponses à ta question sur le cryptomate. Maël qui nous dit j'utilise tout le temps, ça fait beaucoup moins de calques et ça, on l'aime. Ouais, de ouf. Carrément, plutôt qu'à l'époque, l'ancienne technique, c'était de dire au moteur de rendu de créer des passes de masque. Et du coup, il fallait manuellement aller chercher un élément spécifique qu'on voulait isoler dans la 3D, la D'accord. ressortir et travailler dessus après en post, en compo. Ouais, du coup, Mais tu te non, retrouvais avec énormément de calques de masques en plus de ouais. ta séquence, alors que là, avec l'exer, t'es tranquille. Exactement. Et puis, ça permettait, enfin, à l'époque, du coup, il fallait vraiment prévoir, à l'époque. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, je crois. Fallait vraiment prévoir quels éléments on avait envie d'isoler, parce que si on zappait ce truc-là, il fallait refaire un rendu. Ouais, carrément. Alors que là, ça se retrouve. Eh bien, écoute. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Je sais que ça va couper du côté Beyond et de manière un peu sauvage. Donc rassurez-vous, on vous aime quand même, même si c'est un peu rapide. Je vais lancer un dernier tirage au sort du côté YouTube. Je remercie énormément, énormément Romain d'avoir partagé tout ça avec nous, parce qu'on est quand même parti de ces éléments justement à plat, réussir à décomposer toute la partie, réussir à décomposer et à déplier les UV, remettre les matières, les différents éléments dans substance, replaquer ça sur CKD, terminer sur After Effects. Ça fait beaucoup, beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup d'étapes, beaucoup d'infos. Merci en tout cas à toi d'avoir partagé ça. Je lance un dernier petit tirage au sort. Si vous êtes revenu avec nous du côté YouTube, vous n'avez qu'à écrire Bonjour Paris ou Oui, je serai à Paris dimanche. Et moi, je rechercherai juste le mot Paris, parce que c'est juste cette chose-là que je fais en réalité. Et comme ça, on fait le petit dernier pour la route, et puis on arrivera à se voir dimanche pendant Motion Plus Design. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, je roll le tout dernier giveaway, dès que j'arrive à mettre ma souris exactement au bon endroit. Ouf. Et c'est au tour de David Ea de venir avec nous retrouver, et je pense que David, tu sauras me retrouver sur Beyond pour échanger là-dessus. Merci encore à toi, Romain, parce que c'était bien Merci à toi, cool. Franck. Ok, bah, c'est C'était super. bien sympathique. Merci à tous ceux qui ont été avec nous dans le chat pendant la session. Merci d'avoir échangé. Merci d'avoir proposé vos questions et vos réponses, parce qu'on avait besoin de réponses aussi, hein. Ça, c'est toujours, ça a l'air de rien, mais avoir les réponses des uns des autres quand on est un petit peu perdu, ça peut servir. On se retrouve tout à l'heure à 14h avec Tiffany Cooper qui sera avec nous pour parler illustration cette fois-ci. Et on enchaînera avec. On se retrouve sur le En attendant Motion Plus Design demain avec Marie-Véronique Lecoq qui sera avec nous pour terminer tranquillement ce petit contenu. Bref, d'ici là, eh bien, travaillez bien. Préparez-vous, faites-nous des trucs cool. Je vous remets la petite bande-annonce silencieuse du Motion Plus Design parce que je l'aime bien et on va pouvoir repartir là-dessus. Et je dis bien silencieuse parce que j'ai strictement aucune idée de comment je vous remets du son là-dessus. Tac. Transition. Il y a des transitions plus simples que d'autres. Je tiens à le dire. Accepte donc cet état. Bah merci à tous, merci à tous ceux qui étaient avec nous sur Beyond, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Je crois que c'est parti. Hop, on est toujours là. Bye bye. Au revoir Romain, Salut, au salut, revoir à salut. tous.
Et rendez-vous dimanche pour ceux qui nous ont suivis. Au À revoir. dimanche.